prescription. Donc maintenant, mes principales activités sont de manager une équipe de production pour, en toute sécurité, arriver à livrer nos clients à l'heure et avec des bons résultats, satisfaction qualité. Tu as une équipe de combien de personnes ? Je gère une équipe de 70 personnes environ. Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver chez Saft ? Donc avant d'arriver chez Saft, j'ai travaillé toujours soit en qualité, soit en production, chez des équipementiers automobiles principalement. Quelle formation as-tu suivi ? Donc, j'ai fait l'ENSAM, les arts et métiers, à Châlons-en-Champagne. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet motivant sur lequel tu as travaillé récemment ou moins récemment ? Donc, depuis 18 mois, avec une équipe, nous avons travaillé sur l'amélioration de nos délais de livraison. Donc nous avons fait ça avec une équipe pluridisciplinaire et nous avons petit à petit amélioré nos résultats. Nous avons dû réorganiser la façon dont on lançait les dossiers en production et dont la façon dont on les réalisait pour essayer d'être plus à l'heure et être plus fiable. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire selon toi quelles sont les qualités requises dans ta fonction ? Le métier que je fais est avant tout un métier de terrain. Donc je suis en permanence dans l'atelier pour essayer de comprendre les problématiques et essayer d'améliorer les choses et de répondre aux questions qu'on me pose. Et tu me parlais de réactivité, de prise de décision rapide. Donc oui, parce que tous les jours on s'encontre en production un certain nombre d'aléas. Et donc, il faut essayer de décider de quels sont les choix et les actions qu'on doit mettre.